On parle de 100 000 francs suisses, qui correspond à peu près à 100 000 dollars. Et ce sera versé à l'UNESCO pour le projet Liberuta. C'est une icône, hein, le palais sur Soca, pour le Liban. Peut-être aussi un peu pour la Suisse. Vous voyez, moi je suis voisine. Hein. J'habite juste à côté. Et je sais pas, on a toujours appelé aussi le Liban la Suisse du Moyen-Orient. Donc il y a une proximité, cette diversité, cette aussi culturel. Et là, on a toujours travaillé dans tout notre travail de culture. Il y a toujours cet échange entre le Liban et la Suisse. Donc, ce n'est pas promouvoir, je sais pas, la culture suisse, mais d'avoir cet échange, que ça parle. Et puis, c'est magnifique, on a des artisans qui sont presque des artistes qui sont venus ici parce que ça demande beaucoup de savoir-faire pour pouvoir vraiment bien faire une restauration. Donc je suis hyper contente qu'il y ait un peu de travail suisse ici dans ce palais sur Soca. There are a couple reasons why we're facing problems. We a little bit of our limelight and our the story has been captured by the media all focusing on Ukraine. So World Monuments Fund, who are very interested, listed Lebanon as on their list of endangered cities for 2022. Their focus went to Ukraine. And we've been told that by many organizations. I think this palace is a national treasure. And national treasures belong to everybody. They don't just belong to the people that inhabit them. And once they're gone, they're gone forever. And the memory of, we've had so many weddings, christenings, happy events in this garden. So there's a collective shared memory with the community. We will stay open for events as much as we can.